Dans un petit village au pied des montagnes, dans le nord du Japon, vivait un vieil homme qui s'appelait Gen. Kanta et Yuki, ses petits-enfants, habitaient avec lui. Grand-père, regarde, j'en ai trouvé d'autres! Ah, bien vu, Yuki. Quand les pétasites commencent à sortir, c'est que les beaux jours sont proches. Kanta s'était habitué à vivre à la ville, mais ses parents durent partir travailler à l'étranger. Et ils l'envoyèrent chez son grand-père, où il rejoignit sa cousine. Ne me dis pas que t'es encore en train de regarder la photo de tes parents. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Je me demandais comment ils allaient, c'est tout. Waouh! Comparé au village, il y a beaucoup plus de neige ici. C'est la première fois que je vais aussi loin dans les montagnes, et aussi haut. On voit que t'es un enfant de la ville qui n'est pas habitué à la campagne. Ça doit te faire bizarre de voir de la neige au début du printemps, non? Oui, pour toi c'est normal parce que t'as grandi ici, à la montagne. Mais chez moi, il fait déjà doux à cette époque. Allez, les enfants, on ferait mieux de redescendre au village maintenant. J'allais vous le proposer, surtout que je commence à avoir faim. C'était quoi? Ce sont les chasseurs. C'est l'époque où ils commencent à chasser le cerf. Les chasseurs? Hé! Yuki, attends! Oh, quel dommage, pauvre bête. Regardez, il y a un faon. Grand-père, un bébé cerf. Il tient à peine sur ses pattes. Ça doit être un nouveau-né. Chut, tout va bien, mon petit. N'aie pas peur. Calme-toi, je te dis que tout va bien. Oh, il est trop mignon. C'est la première fois que je vois un bébé cerf, tu sais. Hé, grand-père. On peut l'emmener à la maison? Allez, s'il te plaît. Il est super gentil en plus. Grand-père est en train de te préparer. Les enfants furent ravis de pouvoir emmener le faon à la maison. Kanta pensa à un nom qui lui parut idéal. Comme dans le nord du Japon, on appelait les faons Poyuku, il décida de l'appeler Poyu. Poyu, ça te plaît d'être ici? Arrête, Kanta! Il aime pas quand tu lui fais ça! Ça te plairait qu'on te secoue dans tous les sens, toi? Arrête de l'embêter, d'accord? Désolée, Poyu. Oui. En fait, c'est la première fois que je t'entends rire depuis que t'es ici. Je suis contente de te voir heureux comme ça. Ouais, je me sens mieux. Hé, hey, Poyu, où tu vas, là? Ne va pas trop loin, d'accord? Tu as vu ça, grand-père? Poyu essaye de jouer avec les poules. Tu devrais faire attention, mon grand. Elles ne sont pas du genre à se laisser faire. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elles sont coriaces. Va-t'en, Oust! Laisse-le tranquille. Allez, du balai. Eh bien, Kanta, tu n'as plus peur de rien, maintenant. Il a beaucoup changé. Je l'ai! J'en ai attrapé oui un! Oh. Oh, dommage. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais cette tête? Tu as vu la queue de Poyu? C'est vrai, c'est bizarre. Elle ne ressemble plus du tout à celle des autres cerfs. Oui, et elle n'a plus la même couleur. La queue des cerfs est souvent blanche, mais celle de Poyu est dorée et elle brille. Eh bien, ça fait longtemps que je vis à la montagne et je n'ai jamais vu ce genre de choses. C'est bizarre. Très bizarre. Au Japon, les cerfs ont toujours la queue blanche. Comme ça, quand l'un d'entre eux s'enfuit parce qu'il se sent menacé, il relève la queue et la porte en drapeau. En dessous, c'est tout blanc. Et pour les autres, c'est le signal du danger. La queue de Poyu était blanche, elle aussi, mais elle s'est changée en cette incroyable couleur dorée. Est-ce que c'est la première fois que tu vois un animal avec un arrière-train doré?
Oui, absolument. Waouh, ils sont gros ceux-là. T'as vu ça? Comment tu fais pour les trouver? J'en ai même pas vu un seul. C'est grand-père qui m'a appris. Je ramasse les champignons avec lui depuis que je suis toute petite. Tout s'explique. Poyou, attends! Poyou, reviens! Tu vas où comme ça? C'est dangereux! Reviens, je te dis! Qu'est-ce qu'on fait? Je sais. Yuki et Kanta ne purent retrouver Poyou ce jour-là. Il ne revint pas à la maison. Kanta avait très peur que son cerf ait été blessé par les chasseurs quelque part dans les montagnes. Et il l'attendit toute la nuit dans la grange. Poyou? Poyou, mais t'es rentré quand? Ce ne fut pas la seule fois où Poyou ne rentra pas à la maison. Tandis que le temps se rafraîchissait à l'automne, le cerf restait de plus en plus souvent dans la forêt. J'ai entendu une rumeur étrange. Une rumeur étrange, c'est-à-dire? Eh bien, ce matin, tandis que je livrais les champignons au marché, j'ai entendu deux chasseurs discuter. Je me suis arrêté pour écouter. Ils avaient leurs fusils et devaient se préparer à aller chasser le cerf dans la montagne. L'un d'eux racontait qu'un jour, au moment où il s'était préparé à appuyer sur la gâchette pour en tuer un... Oh! Oh! J'ai entendu exactement la même histoire à l'école, c'est vrai? J'imagine. Il y a plusieurs chasseurs qui racontent avoir vu ce mystérieux cerf. Est-ce que vous croyez que ces deux chasseurs cherchent Poyou? 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 Attends, mais oui, c'est bien toi! Poyou, te voilà! Oh, Poyou, tu m'as manqué. Kanta. Est-ce que je rêve ou tu viens de prononcer mon nom? Mais qu'est-ce que je raconte? Tu peux pas parler de toute façon. Je ne parle pas comme les humains. Tu es le seul à pouvoir m'entendre. Quoi? Mais c'est incroyable! Je suis né ici, dans la forêt, pour protéger les cerfs. Il y a très longtemps, il y en avait beaucoup qui vivaient ici, dans les montagnes au nord du Japon. Ils étaient heureux. Ils vivaient tous ensemble, en harmonie, dans les prairies et les forêts. Jusqu'au jour où les hommes arrivèrent et commencèrent à couper tous les arbres. Ils chassèrent mes amis qui moururent les uns après les autres. Ceux qui survécurent durent s'enfoncer de plus en plus profondément dans les montagnes. L'hiver était rude, et ils durent affronter le vent et la neige pour rester loin des chasseurs. Mais ils ont résisté. Même si nous n'avons pas la force d'un ours ou d'un loup, l'union fait la force, et nous, les cerfs, nous avons réussi à survivre. Nous ne nous sommes jamais découragés. Nous n'avons jamais abandonné. Poyou, j'ai toujours cru que les cerfs étaient fragiles, mais j'avais tort. Vous êtes très solide. Vous vous battez de toutes vos forces pour survivre. Ce serait tellement merveilleux si les animaux et les humains pouvaient vivre en harmonie. Ouais, ce serait extraordinaire, c'est vrai. Si seulement les animaux et les humains pouvaient être amis comme toi et moi. Je suis content que tu comprennes, Kanta. Poyou, ton histoire m'a donné une de ses forces. Je ne vais pas rester les bras croisés, je vais t'aider et je ne lâcherai rien. Ça me touche profondément. Je suis heureux de t'entendre dire ça. S'il y avait plus d'humains avec un cœur aussi bon que le tien, nous serions tous amis et nous vivrions en paix. Oui, c'est clair.
Je suis désolé d'avoir gardé ce secret aussi longtemps. Pour me faire pardonner, je vais t'emmener dans les montagnes avec Yuki pour vous présenter mes amis. C'est une danse de bienvenue. Waouh, merci beaucoup. Et maintenant, ils vont faire de la lutte comme les sumo. Waouh, ça a l'air trop marrant. Le lendemain, alors que les enfants rentraient de l'école, je vais me débarrasser de ce cerf à la queue dorée une bonne fois pour toutes. Ça m'étonnerait, mon vieux, c'est moi qui vais le descendre. Ah ouais, ouais, bah c'est ce qu'on verra. Je te parie qu'il finira sur mon tableau de chasse. Oh non! Dépêche-toi, il faut qu'on prévienne Poyou! J'espère qu'il est assez proche pour entendre ça. Ce fut un tournant décisif pour Kanta. Il était déterminé à protéger Poyou et le reste de la Harde. Il décida qu'il patrouillerait tous les jours dans les montagnes pour veiller sur les cerfs. Oh non, on lui a tiré dessus. Poyou, on doit amener cette biche dans un endroit sûr jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. D'accord. J'espère que tous les autres cerfs vont bien. Poyou est avec eux, tout ira bien. Hé, hey, vous avez entendu la nouvelle? Il paraît que le cerf à queue dorée a été tué. Ah ouais, ça y est? Ah, oui, c'est le bruit qui court. Apparemment, quand les chasseurs l'ont aperçu, ils se sont tous mis à lui tirer dessus et il a disparu. Ils sont sûrs de l'avoir touché. Oh non, pas Poyou! Hein? Quoi? T'en es sûr? Faudra qu'on aille l'aider, il est sûrement blessé. Dans les montagnes? Oui. On partira demain matin aux aurores, mais s'il te plaît, n'en parle surtout pas à grand-père, d'accord? Tu me le promets? C'est promis. Je suis sûre que Poyou se trouve dans la vallée où il m'avait emmené. Tu te rappelles si c'est loin? Non, mais dans tous les cas, on doit absolument le retrouver. Ça y est, on y est. C'est bon, on peut l'appeler maintenant. Poyou! 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 Ils se sont peut-être enfuis. Est-ce que tu sais où ils auraient pu aller? Je n'en sais rien. Yuki. Poyou, arrête. Poyou, attends-moi. Poyou. Poyou. Poyou.
non, Yuki! Allez, tu m'entends? Réveille-toi! Réveille-toi! Oh, comment tu te sens? Oh, c'est toi, Kanta! Qu'est-ce qui s'est passé? On est où? On est tombé de la falaise et on a atterri dans la neige. Il faut qu'on trouve un moyen de remonter. Ah, on va essayer d'escalader. Pas grave, on y retourne. Oh non, il commence à neiger. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va devenir? Non, Yuki, ne pleure pas. Ensuite, on va toutes les empiler. Tu veux faire des boules de neige? Oui, ça peut marcher, mais il faut qu'on se dépêche. Courage, Kanta, tu peux y arriver. J'ai entendu Poyou. Allez, Yuki, on y est presque. D'accord. On le retrouvera dès qu'on sera là-haut. Tu peux y arriver, Kanta. Allez, Yuki, je sais que tu en es capable. Très inquiet. On pensait que les chasseurs avaient peut-être réussi à te tuer. Merci, mon ami. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que ça va? Je suis blessé à la patte. Oh, ils ont réussi à te toucher. Oh non, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu souffres beaucoup, mon ami? Ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave. Tant mieux. Je suis sûre que tu vas vite t'en remettre. De toute façon, tu n'es pas tout seul. Je sais. Merci à vous deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont réussi à l'avoir? J'ai fait diversion pour permettre aux autres cerfs de s'échapper et ils m'ont touché. Mais grâce à ton sifflet, Kanta, j'ai pu vous retrouver. Le corps de Poyou était devenu très froid. Mais avec les soins que lui prodiguait Kanta, il commença à se réchauffer. Le garçon était tellement content d'avoir pu aider son ami Poyou. Je vois. Je me demandais ce qui s'était passé. Vous aviez tellement envie d'aider Poyou que rien n'a pu vous détourner de votre chemin. Tu devais avoir une détermination d'acier pour aider ton ami et ta cousine en dépit du danger. C'est ce qui t'a donné de la force au moment où tu faiblissais et de la sagesse quand tu allais perdre espoir. Ton amitié pour Poyou est profonde. Vous arrivez à vous mettre à la place des autres et à partager leurs souffrances. C'est ce qui vous rend si humain. Voyez-vous, une personne douée de compassion ne perd jamais espoir.
Mais j'étais très inquiet à votre sujet. La prochaine fois que vous voudrez partir tout seul, vous me demanderez la permission, c'est clair? Oui, grand-père. Poyou! 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 Fais très attention. Il paraît que les chasseurs te cherchent partout. Ils ratissent la forêt et ils auraient même posé des pièges. Ils veulent tous attraper le cerf magique à la queue dorée. Tu dois partir le plus loin possible et te mettre en sécurité. Je suppose que tu comprends ce qu'il est en train de faire. Poyou est venu nous dire au revoir. Il sent que le danger approche. Il va conduire tous ses amis vers le nord, au fond de la forêt, pour les protéger. Il est très courageux. Kanta, mon ami. Ton grand-père a raison. Je suis venu vous dire au revoir à toi et à Yuki. Oui, je comprends, Poyou. Si c'est la meilleure chose à faire pour sauver tes amis, vas-y, pars sans hésiter. J'essaierai pas de t'arrêter. Mais avant, je voudrais te jouer une mélodie d'adieu, pour que tu te souviennes de nous. Kanta. Et merci. Jamais je n'oublierai ta gentillesse, ton courage et ta fidélité. Tu ne peux pas savoir à quel point notre amitié est importante pour moi. Merci, Kanta. Merci, grand-père et Yuki. Merci pour tout ce que vous avez fait. Moi non plus, je ne t'oublierai jamais. C'est toi qui m'as appris à devenir fort. Je m'en souviendrai toute ma vie. N'abandonne jamais. C'est ce que tu m'as transmis, même si tu es triste et que tu as mal. Et même si on ne se revoit jamais, on restera toujours de véritables amis. Prends soin de toi, Poyou, et de tous tes amis. Compte sur moi pour rester fort et ne jamais rien lâcher. Tu resteras toujours dans mon cœur. Les grands cerfs du Nord se retrouvèrent menacés à plusieurs reprises au cours du temps. Mais en dépit des difficultés qu'ils durent affronter, jamais ils n'abandonnèrent. Tant que les enfants du monde traiteront les animaux de la nature avec amour et gentillesse, ils seront comme Kanta, le cœur toujours rempli de courage.